Bonjour à tous. Alors, nous sommes extrêmement fiers d'avoir accompagné et de continuer à accompagner le Salon international du bâtiment et de l'avoir rendu pratiquement le deuxième salon au niveau national par son importance, par son impact, par ses visiteurs et par la qualité des expositions et des exposants. Et nous souhaitons, bien entendu, que le Salon international du bâtiment continue, se développe. Alors, nous avons choisi cette année une thématique très particulière, mais extrêmement importante, qui est la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, je vais me doubler, mais en disant maîtriser. Parce que nous nous sommes rendus compte que la qualité d'un ouvrage, de la construction, dépend non seulement des matériaux que nous choisissons et que nous mettons à la disposition des promoteurs et de nos clients et des architectes, mais aussi de la façon dont les entrepreneurs et les utilisateurs les utilisent et les mettent en œuvre. Donc cette mise en œuvre est devenue cruciale. Et la multiplication des exigences normatives, la multiplication des techniques et l'amélioration du bâti fait que nous devons maintenant nous focaliser véritablement sur cette maîtrise et cet apprentissage, et il faut de plus en plus avoir des gens sur les chantiers qui savent ce qu'ils font et qui sont sûrs de ce qu'ils font pour avoir des bâtiments à la hauteur de ce que nous voulons et de la qualité que nous souhaitons avoir. Enfin, je voudrais, pour finir cette petite intervention, souhaiter la bienvenue à tous nos exposants, qu'ils soient marocains, nationaux ou internationaux. Nous leur souhaitons un très très bon salon et nous demandons à tous les visiteurs professionnels de tous bords et aussi visiteurs intéressés de venir nombreux, venir s'enquérir des dernières nouveautés, de la façon dont tout cela est proposé. Et cette année, nous aurons une nouveauté importante, c'est qu'il y aura des démonstrations, des savoir-faire par des spécialistes, par des gens du métier, ce qu'on appelle les gens de l'art, qui montreront au grand public, et ça sera fait auprès du pavillon des architectes, et nous espérons que tout le monde sera là pour bénéficier de ces démonstrations.